même de m'adresser que je devrais parler ou apporter les conseils de Dieu aujourd'hui. When the pastor asked me to come and speak today, qu'est-ce que je dois parler? I said to myself, what am I going to be talking about? Mais comme tout serviteur, de Dieu, like a true man of God, même tout grand serviteur, même dans le monde, si vous ne savez pas quoi dire, if you don't know what to say, il faut se recourir à votre boss ou à votre chef. You have to go back to your boss. Parce que c'est lui qui a au moins ce que vous devez parler à propos. He's the one who has everything for the business. Alors l'esprit m'a envoyé à méditer sur la situation que le monde traverse aujourd'hui. And the Spirit of God started putting in my heart. Et justement, c'est en passant, j'ai dit aujourd'hui c'est le dimanche de Ramon. Today is the Palm Sunday. Le jour où Jésus-Christ est entré triomphalement à Jérusalem. The world is celebrating the day that Jesus entered Jerusalem. Mais il y a une chose curieuse qui s'est passée. But something so curious happened. Après avoir toutes les acclamations, les acclamations, after people clapping and welcoming, quand Jésus encore calme, when Jesus was calm, les disciples se sont approchés et lui ont posé la question. I believe the disciples went to him and asked him. C'était pas un moment. Ils l'ont montré pour les constructions qui étaient là. It started showing him something. C'était des constructions en briques. It was a big and tough, strong building. J'ai eu la grâce de vivre en Israël pendant un moment. J'ai vu des fondations, mais c'était des constructions anciennes. I lived many years in Israel and saw the construction. C'était vraiment des constructions. The strongest thing there. Donc, personne ne pouvait croire que ces constructions-là devraient couler. Nobody believed that those buildings can go down. Alors les disciples ont montré Jésus-Christ toutes ces constructions-là. And the disciples showed the building to Jesus. Ils dit, mais tu vois toutes ces constructions. You see all those buildings, what do you think? Comment est-ce qu'ils sont très forts? They are strong. Et ça ne coulera jamais. It never gonna go down. Et Jésus-Christ a répondu d'une manière. And Jesus said, vous voyez tout ceci. You see all this? Il ne restera pas une pièce. Nothing will stand no more. Ça reflète la réalité de ce monde dans lequel nous habitons. And I believe that's what the world is going through today. Les gens pensaient construire des constructions qui vont rester pour toujours. And people did build so that it can last forever. Juste un exemple, les Nations Unies. Like the UN. Les Nations Unies ont été fondé pour résoudre le problème, pour que le monde demeure en paix. They gathered together so that they keep the world in peace. Aujourd'hui, le monde continue à trembler. But the world is not in peace. Alors, je pensais à la situation que le monde est en train de traverser aujourd'hui. I'm thinking about what the world is going through. La Syrie. In Syria. L'Afghanistan. In Afghanistan. La Somalie. In Somalia. Le Boko Haram par exemple, le Nigeria et le Cameroun. Nigeria, we know terrorists. Et des grands bassins en Côte d'Ivoire qui ont été secoués. In Ivory Coast. Nous, Congolais, nous savons ce qui se passe toujours à l'est. We know in Congo, in the east, we know what's going on. Et pourquoi tout ça? Pourquoi tout ce chaos dans le monde? Why there is chaos? Pourquoi tout ce désordre dans le monde? Why there is disorder? Alors le Saint-Esprit m'a révélé. And the Holy Spirit started putting in my heart. Que le monde est sous le siège du diable. The world is under the power of the devil. Pour cela je vais parler des conséquences d'être assiégé. I'm going to talk about the consequences to be under the power. Sans plus tarder, nous allons considérer 2 Rois chapitre 6. That's why I'm going to read 2 Kings. Je vais lire du verset 24 jusqu'à 7 verset 2. King 24, commençons par le verset 24, chapitre 6, 2 King, chapitre 6, verset 24, verse 24, donc 24 jusqu'à chapitre 7, verset 2. Mais je vais combiner le chapitre dans la lecture. We're going to read together 2 King 6, 24. Ma Bible dit ceci.